Avant toute chose, félicitations aux Watts. Hein. Ils ont livré un grand match. Ils sont partis avec la victoire à la dernière minute. Donc voilà, j'avais demandé à mes joueurs d'être très vigilants du début à la fin. C'est la première des choses. Voilà, nous a manqué 30 secondes. Il nous a manqué 30 secondes pour tirer quand même un résultat satisfaisant. Là maintenant, on a une défaite supplémentaire. Je suis triste pour mes joueurs parce qu'ils ont bien couru, mais ça fait une défaite quand même, donc il faut se reposer et aller chercher un résultat à l'extérieur. Merci. Ça va ? Y a-t-il des petites questions ? Coach, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette défaite, c'est pas à cause de la fatigue parce qu'on a vu le risque ? Oui, à la fin, on a baissé un peu, mais disons qu'on a eu d'autres joueurs, le mental était là. Parce que quand vous jouez contre le WAC, vous avez un mental qui est au-dessus. Donc, ça nous augure d'un dernier match de la Super Coupe qui va être intéressant. Donc, voilà un petit peu. C'est vrai que, encore une fois, je n'aime pas parler de ça, de ce déplacement, mais ça, c'est quand même compliqué pour nos joueurs. On a beaucoup de blessés à chaque fois. Heureusement qu'il y a aujourd'hui sur le banc, j'avais des joueurs qui se sont entraînés qu'une fois avec moi. Nemsaoui n'avait fait qu'un entraînement avec moi, Adama. Donc voilà, c'est qu'on fait avec l'équipe, mais c'est vrai qu'en fin de saison, ça devient un peu difficile. Merci. Merci coach.